Luc, chapitre 24. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent. Pourquoi cherchez vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux onze et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles, mais ils prirent leurs discours pour des absurdités, ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit. De quoi parlez vous en marchant, pour avoir l'air si triste? L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit. Es tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours ci? Quoi? leur dit il? Ils lui répondirent. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit. Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant, Reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors, les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit Que la paix soit avec vous Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez un esprit n'a ni chair ni haut comme, vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit. Avez vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit. Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en Son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Bethanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu.